Bref, c'était dimanche matin, et comme tous les dimanches matin de fin de mois, j'ai regardé mon relevé de compte. Il y avait écrit virement 120. J'étais refait. J'ai pris mon téléphone, j'ai remercié ma mère, mes potes, ah ben le Père Noël. Y'a pas Noël? J'ai checké Facebook. C'était ni mon anniversaire, ni Noël, et encore moins mes potes. Hey gros, t'as pas du boule? Yeah! Il y a 2 mois, j'ai ouvert mon casier, il y avait un petit papier qui ressemblait à un chèque. Ah, y'a des mecs, on a reçu un chèque! C'était pas un chèque. Dessus, il y avait le logo du LCL ainsi que celui de la GE. Je savais que les gens de la GE étaient bizarres. Je ne connaissais pas le LCL. Je suis allé à la banque. J'ai signé des papiers. J'ai regardé la banquière. Elle m'a regardé. J'ai regardé ses seins. Ils m'ont regardé. Elle s'est regardée. Je les ai bien regardés. C'était flippant. Vous êtes flippant. 120 euros, c'est énorme. On peut s'acheter. Une paire de chaussures. Des places de concert. Une robe. Des cigarettes. Et comme le dirait si bien mon coloc. Ah bah je sais pas, t'as qu'à te payer des putes tchétchènes. Mais j'ai fait carrément mieux. J'ai cotisé GE, acheté un sweat d'assaut trop petit, un sweat de CP trop grand, un sac plein de terre avec des légumes dedans, et avec la monnaie qui restait, je suis allé au Quater. J'ai pris une pinte, deux pintes, trois pintes, et au bout de la dixième... Je suis pas bourré. J'étais bourré. Je suis sorti, j'ai pris un Vélib, fait le con dans la descente, craché mes poumons dans la montée, et j'ai oublié de le rendre. Bref, j'ai ouvert un compte au LCL.